Bonsoir tout le monde, merci en pile parce qu'avec nous sur télévision nationale d'Haïti pour le journal la mi-temps journée, la première toutes téléspectatrices et tous téléspectateurs qui avec nous pour premier sorti journal ça pour semaine. On a démarré avec travail bétonnage route embarquant qui presque arrivé dans boutli président République là Jovenel Moïse l'ouvre route là pour circulation vendredi que se passé à cérémonie qui déroulait en présence premier ministre Jacques Lafontaine, ministre PTC ingénieur Fritz Caillot, première dame République Martine Moïse et plusieurs autorités locales. Sandrine Jean-Étienne avec Jean-Marie Duvernet était sur place pour TNH. Un reportage. Moun Kamperin utilise tout moyen pour exprimer contentement yo dès que travail construction route bas Kamperin en presque rivé dans bout li. Gen environ 2 mois de ça, route ça était en roche seulement. Journée jodi a, li c'est un boulevard bétonné côté kay ak business moun yo, pap sa la poussière et puis la boue encore. Bon travail là nous content en pile, c'est que travail son bel travail et nous remet en pile et nous souhaitons travail à continuer. Jusque c'est un bel travail que le président Jovenel Moïse a fait pour nous. Là, je dis mille merci. Nous ne pouvons pas encore qu'il t'a remercié, président Jovenel Moïse. Et ça fait plaisir. Tout depuis dans l'histoire, il y a des bagues qui tracent surtout pour Kamperin, mais qui ne va jamais arriver à jouer à Kamperin. Et nous avons dit merci. Nous ne pouvons pas comment encore qu'il t'a fait pour nous dire merci. Et nous avons dit que ça, son premier tour. Okay? Et qu'on deuxième tour. Ça, nous avons dit que nous avons dit que président républicain Jovenel Moïse, première dame républicaine Martine Moïse, premier ministre Jacques Guy Lafontaine et plusieurs parlementaires département sud yo vérifié ak DGO et avancement travail là. Chef l'État a rassuré moun Kamperin, construction route là a continué jusqu'à ce que tout petit coin en route ça fin bétonné entièrement. Moi campé sur une route côté l'État pendant 2 mois. L'État travaille route ça a commencé exactement 22 octobre. Année ça. 22 décembre, nous fait 2 mois seulement. Et dans 2 mois, nous prenons 20 jours la pluie. Ça veut dire que 40 jours de travail, jeunes garçons et jeunes femmes campérés, nous-mêmes travailleurs, nous félicitons. Nous campons. Nous faisons travail ça. Dans 40 jours, ces mêmes gens, 40 jours, 40 nuits, peuple a été passé dans le désert. C'est 40 jours, 40 nuits de travail, ça nous baille là. Nous connaissons, moi te promets, 22 décembre, map là, map vini, pour me venir dire, mon Kamperin, route ça a ouvert pour vous. Mais, béton, qui environ 3 km, c'est toquette là, chaleur, parce que nous connaissons, route là, il faut l'asphalter net. Pour l'un de notre caméras, pour nous passer soir, pour nous arriver sur route. Construction route Kamperin entre dans le cadre de caravane changement qui est présent dans le grand sud là. À côté route, il y a plusieurs travaux qui sont faits dans le sud là. Parmi eux, asphaltage plusieurs rues dans la ville Okaï. Indiquement, Beige, la ravine, à Clot encore. Merci un peu, Sabine Jean, Etienne, avec Jean-Marie Duvernet, travail à caravane changement cap poursuivre dans le grand sud pays. Avant le changement qui est lancé dans le Grand Sud le 1er juillet, il faut que nous rappelions ça. Il y a pour vous avec 3 départements, département NIP, département Gadens et puis département Sud. Et là, nous sommes suivis route ça qui est ouverte pour circulation route Embakan. On dit tronçon, Mont-Lévy, la porte pour arriver Embakan et chef l'État, Jovenel Moïse, t'es sous place vendredi 22 décembre qui se passe là. On a parlé de distribution cadeau dans le journal avec première dame République Martine Moïse qui distribuait jouettes by Timoun, centre d'accueil Carrefour et Delma. Pendant le week-end à Noël, selon première dame, c'est l'occasion pour les autorités dans l'État de fêter à Timoun et montrer aux gens importants dans les yeux exécutifs. La distribution cadeau ça est faite en tête collée avec le ministère des Affaires sociales et du travail. On a souligné d'ailleurs la présence du ministre des Affaires sociales et du travail, Dr Stéphanie Auguste, dans le cadre de distribution jouette à cadeau ça. On a suivi la précision, première dame républicaine, pour plus de détails. Vous
gouvernement Moïse la Fontan met un point spécial sous jeunes, sous timounio. C'est ça qui fait grand pile programme que vous pouvez faire pour jeunes. Un programme que je juge qui est important en pile, c'est une qui est le BPO, côté même le timoun à l'école, mais il y a des possibilités pour faire petit cobli pendant que vous mettez le travail. Donc ça, je ne peux pas parler avec nous en pile parce que je n'ai pas l'autre point pour me faire. Je dis que je suis content encore pour m'avoir nous et nous pas le faire. Même si 10 minutes là, pas en pile, mais nous faisons 10 minutes ensemble. Toujours dans ça qui est pour avec saison fête là, nous parlons quoi il là dans l'ONA, Office National Assurance VS, de recevoir pensionnaires pour fêter et puis partager moment Noël avec fête fin d'année avec eux. C'était l'occasion pour pensionnaires saluer l'initiative là. C'est plusieurs milliers de pensionnaires l'ONA qui te répondent présents dans le local institution ça, dans Delma 17. Pour plus de détails, un reportage avec collaborateur nous, Reginald Esaïe Aurélius. Activité ça réalisé pour témoigner solidarité direction générale ONA ak Assiré Lio. C'est chaque période Noël depuis plus passé 30 l'année Office National Assurance Vieillesse fêté ak tout Assiré Lio. Marie-Suze Pierre Olivier c'est Assiré ONA depuis plusieurs années. D'après lui, c'est un geste qui gagne en pile importance pour Assiré Lio qui parfois société a oublié. Madame Olivier remercie responsable institution pendant le souhaité gagne fort qui fait pour porter amélioration dans service yo. Nous besoin d'une maison retraite avec travail social. Nous avons demandé que le directeur a fait dépendant de jeune assurance santé à tout. Nous avons aimé que le directeur a une cotisation, une augmentation de temps en temps. Directeur général Office national Assurance Vieillesse là, Chesnel Pierre, dit le conscient sous problème assuré à faire face sitôt à l'allocation chaque mois qui pitié. Monsieur Pierre promet à Sirio l'ap travail pour améliorer conditions économiques yo pendant annoncer augmentation comme yo habitué touché à partir mois janvier. Il y a tout au moins une raison de croire qu'un jour notre pays aura figuré parmi les pays les plus compétitifs dans le domaine de la sécurité sociale. Faut que monde qui pi bayo capable joindre. Pour Kounia, Office National Assurance Vieillesse gagne un total 5 000 assurés. 45 millions de gouttes, c'est quantité d'argent qui est disponible chaque mois pour distribuer les assurés d'après responsable. À côté de distribution, cadeaux, fêtés, partagés, c'est tout un moment pour un promoteur culturel lui organiser un pile bal avec soirée dans les centres. Eh bien, pour aller ça, il y a un pile affiche. Affiche ne pas suspendre, attirer attention. Mais consommateurs tout plein pour prix ticket, yo, yo quoi qu'il pas suspendre augmenter chaque année. Le reportage avec collaborateur Nancy Mars. Devant difficultés économiques difficiles, mettez sous façon compétition à fête dans le secteur culturel là dans le pays d'Haïti. Opérateur culturel yo reconnaît chaque jour plus d'affaires culturelles, c'est en faveur Livinier. Yon nan promoteur musique boy site Zagalo, li rete kwè, si pa gen aucun accompagnement qui pote ba entrepreneur dans le secteur, chaque jour activité a coûté plus cher. Autrefois, c'était beaucoup plus facile. Ki grand pile sponsor. Partenaire, c'est-à-dire ou débat tel produit visibilité et puis les doses organisées soirées te permettent que vous te réduisez quoi prix soirée. Je pense que faut nous ayons plus de monde qui accompagne nous. Par exemple, là, je félicite le président PIA que nous annonçons son festival 6 janvier et puis l'achète ticket dans mes nous. Son beau bagage, rapide, parce que le Dakar bat nous comme nous, là. Non, ils font l'autre bagage, l'encourager nous, l'encourager les gens venir dans l'événement à faire. Je pense que c'est l'occasion pour remercier le président PIA, Jovenel Moïse, qui prend et qui comprend l'importance pour moteur, l'achète environ 2000 tickets pour le festival. Si le prix produit qu'il tire lui a augmenté, en pile monde plein pour qualité. Avec chapeau animateur musique là, fois ça, Akinson Belize a porté appréciation par Kounia, par rapport avec lui, n'a pas organisé soirée, il exige un pile lumière, un pile screen, obligé de mettre un screen derrière et dans le background jazz là. Un pile observateur et consommateur, pas caché qu'elle saute au gain devant la situation ça, pendant qu'elle souhaite l'environnement social et économique pays a changé, ça qui d'après eux-mêmes a porté un soulagement dans la condition de la vie chaque grand monde. Voilà, pour précision, Akenson Belizer, tout le monde connaît ce nom Zagalo, qui répond à une question Anne Simas.
dans ça qui gagne ouais avec affiche culturelle yo zagalo qui quoi et t'as besoin plus accompagnement ça qui permettre critiquer au plus abordable pour faciliter consommateur prendre plaisir surtout pendant la période de Noël avec fête fin d'année. On a toujours été dans la distribution jouets, distribution cadeaux. Enfin, ça, c'est avec la Fondation Rose et Blanc. Fondation Rose et Blanc qui organisait eh bien, et pendant le week-end de Noël, la distribution cadeaux dans le terrain Peggyville. C'est une activité traditionnelle selon le responsable fondation. Hein. Yo kwè, ça permet de plus près la population. Hein. Yo kwè, tout ça aide à fêter avec Timounio dans un moment spécial. Ça. On a suivi la précision une responsable fondation, Sophia Martelly. Jeudi 25 décembre, je dis tout le monde joyeux Noël d'abord. Mais je dis nous tout que le mouvement social ça a commencé il y a 22 ans ça, au 25 décembre. Et c'est lui-même qui t'est venu transformer en Fondation Rose et Blanc. So, aujourd'hui, ça fait 22 ans exactement que nous commençons avec l'activité sociale et activité sociale. Yo. Qui t'est commencé par le mouvement de la famille Martelly. Michel, Sophia, Olivier, Sandro à l'époque. Alors je veux dire, combien de personnes qui viennent pour bénéficier de cadeaux? Faut me dire que nous faisons distribution 1000 bracelets. Nous invitons 20 quartiers, nous avons regardé nos quartiers tout à l'heure. Mais nous connaissons que grand pile de monde qui t'a aimé recevoir jouet. Moi je crois que nous prenons 200 personnes qui parlent un bracelet. Heureusement que c'est dans cette zone là. Si tout trois petits monde encore m'a couru voyager chez jouet pour me bailler. Mais jusqu'à présent nous avons 1200 personnes. Voilà, 1200 Simon qui environ recevoir cadeau dans la Fondation Rose et Blanc. C'était journée 25 décembre là, sous terrain Peggyville. On a rappelé à côté de distribution ça qui fait sous terrain Peggyville. La Fondation Rose et Blanc était organisé leur distribution particulièrement dans Saint-Vincent en pleine. Brasserie La Couronne fait que Timoun yo content dans façon pa yo, yo distribué cadeau week-end qui se passe à responsable brasserie yo dit yo met en pile accent sur Timoun qui pas rien moyen yo. Anne-Marguerite Auguste, reportage. Distribution ça fait 11e fois brasserie La Couronne a fait que Timoun content avec jouette. Soti 4 ans pour arriver 12 ans, c'est qualité Timoun sa yo qui bénéficie jouette dans occasion fête Noël là dans mes brasserie La Couronne. Directrice marketing brasserie Nadine Salomon explique en 2006 le yo ta fait première distribution yo c'est seulement 200 timoun qui t'ai bénéficié. 11 ans après yo passé à plus passé 1 millier timoun. Li fait connaître j'ai ça c'est pour compagnie en témoigner reconnaissance li envers moun zone nan qui bien accueilli yo le yo tabli dans zone nan. Nadine Salomon dit au conscient de situation économique difficile par an yo a traversé pour acheter jouet pour timoun yo. C'est pour raison ça, compagnie prend décision depuis 2006 pour organiser distribution jouet pour timoun yo. N'a fêté la Noël, n'a porté la Noël la caillou. Nous aimons Noël. Nous dit nous voulons faire la différence pour yo dans cœur yo et c'est comme ça que nous t'est venu avec initiative ça, ça fait toute année nous saute jouyo environ 12 ans. Donc nous commençons avec 200 timoun. Et au fur et à mesure, nous grandissons progressivement et qu'on y est là, nous arrivons à plus que 1000. Timounio dit qu'il apprécie l'accompagnement sa brasserie La Couronne fait en faveur. J'ai ça montré compagnon comprendre l'importance de Timounio dans la société. Les enfants de la communauté de Sorte, c'est avec une sincère reconnaissance que nous remercions le staff de La Couronne pour les cadeaux. Et sachez, chers donateurs, que cette lumière de joie que vous faites briller dans le cœur de chaque enfant vous guidera toujours sur le chemin de la bienséance. Encore une fois, merci. Joyeux Noël 2017 et bonne année 2018. C'est dans une ambiance cœur content, fraternité, Timounio passé, journée 22 décembre, nan, dans la coupe brasserie La Couronne pour recevoir Jouetio. Responsable brasserie yo renouvelé volonté yo pour faire ça ak timoun yo chaque année qui se façon pa yo pour séparer bénéfice compagnie ya nan milieu ya. Après au fin organisé dernier tirage loto 90 à 17 décembre qui se passé hein, responsable de loterie l'état haïtien yo remettre primio bah y a gagnant dernier tirage à ça c'était vendredi qui se passé là directrice générale institution hein, Marie Margaret Fortuné remettre chèque yo bah gagnant yo n'a rappelé c'est trois gros prix premier prix là, c'est 1 million goud deuxième là, c'est 100 000 goud troisième là, c'est 50 000 goud et c'est un employé qui travail dans l'Office national assurance vieillesse qui gagne un premier prix. Précision, directrice générale LEH, Marie Margaret Fortuné, Pitena Micro, Télévision nationale d'Haïti.
Malheureusement, pour y parvenir, nous faisons face à des difficultés énormes. Une mauvaise collaboration des partenaires, l'incompréhension des uns et des autres, et surtout, le manque de moyens financiers et matériels nécessaires. Pour mémoire, il convient de rappeler qu'il y a quelques décennies, la LNH participait largement à la construction du barrage hydroélectrique de Péligre de l'aéroport international de Toussaint-Louverture, titrement appelé aéroport François-Duvalier. L'édification de Duvalier-Ville, située dans la commune de Cabaret, la bétonnage d'une partie du boulevard Jean-Jacques Dessalines, communément appelé Grand Rue. La participation dans la gestion de l'hôpital Ofatma, de l'hôpital Sanatorium, la participation au paiement des officiers de l'armée d'Haïti, sans énumérer les multiples interventions et les subventions sociales. Accélérer bien à une période où il n'y avait pas autant d'opérateurs et de joueurs dans le secteur des jeux de hasard. Les jeux de hasard et l'argent en Haïti, en d'autres termes, les difficultés suscitées constituent un frein de développement socio-économique du pays en soustrayant au trésor public des milliards de gourdes annuellement. Voilà, pour précision, directrice générale Loterie l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné, après le défi de remettre chèque by gagnant, dernier tirage Loto 90, un tirage qui était fait sous TNH, c'était dimanche 17 décembre 2017. Là. Vous m'arrivez pour nous prendre en pause, dans le journal là, était avec nous, on a tourné avec l'autre information tout de suite après. Mes amis, grand monde, c'est mémoire pays. Qui donc, yo mérité protection. Nan j'ai fait fête pour protéger la vie moun, les cyclones, inondations ou soit yon l'autre catastrophe. Pas oublier grand moun yo. Gen grand monde qui paraît bien, qui pas tende bien, qui gen difficulté pour marcher, gen qui malade, gen sa ka vu pou kò yo, ou sinon ak ti moun piti. Yo besoin assistance. Bye grand moun yo, toute attention yo mérité. Le yo annonce cyclone, le gen inondation ou soit yon lot catastrophe, aide yo ramasse médicaments ak pièces important yo. Pa kite yo deye le nap déplacé pour aller nan abri provisoire. Fè yo passe devant pour yo pas souffrir nan ligne ou bien fè yon ligne à pa pour yo, le y a bay soin ou bien assistance. Bay grand moun yo tout attention yo mérité. C'était un message secrétariat permanent qui a géré risque et désastre avec Support Helpage International, une organisation qui campait bon côté grand monde. Merci à Pile, parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans la deuxième partie du journal mi-temps journée. On a pris direction Cité l'Indépendance là. Gonaïve pour nous parler accident de circulation ça qui fait pendant le week-end Noël là. Pour Pipiti de Moune a perdu la vie avec une dizaine les autres blessés suite à Yon Tchèque qui est rentré sous quelques habitants dans un cassoulet qui t'a pris plaisir pendant le week-end Noël là. Mergena Exalus, depuis Gonaïve. Deux moun mouri, 13 lot blessés graves. C'est bilan yon accident machine qui fait dans la nuit dimanche 24 pour l'ouvrir lundi 25 décembre 2017 là. Yon machine, c'est yon tricker qui perd du frein. Passé prend sous passage li, en pile moun qui tape si qui l'est à moto, à pied, ak en pile l'autre jeune garçon ak jeune femme qui te chita pour les brissons devant yon nightclub en plein air qui sous route là nan rue Christophe, nan quartier Kasoleil Gonaïve, nan occasion fête Noël là. Deux moun qui mouri yo, c'est deux jeunes garçons. Lucera avec Jean-Fito Marc qui gagne respectivement 23 avec 27 l'année. Juge de paix suppléant, tribunal section Nord Gonaïve, Blondel Petit Frère, qui était accompagné avec la police, qui était fait constat légal et qui était by l'ordre pour lever cadavre, dit chauffeur qui t'a boit alcool, t'a pris la fuite. Après incident, déclaration Blondel Petit Frère. C'est un monsieur de collègue Grenard, c'est ravagé plusieurs monde. Mais là, nous arrivons sur les lieux, nous constatons deux corps inertes qui sont vraiment graves et nous ordonnons à parents pour mettre nos morts privés et puis pour nous faire suite légale. Sorti dans le quartier Cassoleil, juge Lan, qui était toujours accompagné avec la police, était rendu dans l'hôpital La Providence, côté où il a constaté blessé, qui a recevoir soin. Majorité de monde qui blessé, sorti avec pied au cassé.
Il y a parmi eux 9 garçons et 4 filles qui gagnent entre 13 et 23 l'année. Et nous constatons environ 13 blessés et 4 filles, 9 garçons. Tout le monde sait c'est un accident, tout le monde est victime, que nous transportons nous directement à l'hôpital de la Providence pour nous décarouer dans la situation. Le juge de paix suppléant, tribunal section de Gonaïve, la Blondel, petit frère, quoi. Autorité communale a dû prendre décision pour interdire nightclub qu'a fait dans la rue qui souvent la cause en peu le monde victime. Exalus Mergena, Gonaïve, Télévision nationale d'Haïti. Après la décision de l'administration Trump-Lan pour reconnaître Jérusalem comme capitale Israël et puis annoncer au préalable d'être transféré ambassadio dans Jérusalem, eh bien, il y a un pays Guatemala qui lui-même tout décidé d'annoncer qu'il y a peut transférer l'ambassade d'Israël à Jérusalem. Il y a une décision Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu applaudi. Après un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, président Guatemala a annoncé dimanche 24 décembre sur page Facebook li, décision li prend pour le transférer ambassade li qui en Israël dans Jérusalem. Jimmy Morales, c'est le premier chef de l'État qui prend décision ça après annonce administration Trump-Lan dans le commencement mois décembre. Nous avons déjà dit nous ça. Il y a plusieurs pays qui ont reconnaître Jérusalem comme capitale et qui ont prêt à annoncer transfert ambassade. Eh bien, mais en deuxième pays, et me répéter, après plusieurs lots, ça c'est commencement seulement. Vendredi, Assemblée générale Organisation Nations Unies voté pour condamner l'initiative américaine pour le transférer ambassade li. 9 pays parmi eux, Israël, États-Unis et Guatemala voté contre. Palestiniens ont qualifié décision Guatemala comme une honte. Après décision administration américaine, plusieurs manifestations organisées presque chaque jour dans divers territoires palestiniens. N'a pas rapproché avec l'actualité à ce plan international. Un pays ici, Rebellio, décidé pour ne pas répondre à l'invitation à Moscou pour attendre un processus de négociation avec Rebellio. Rebellio voyait jeter appel à Moscou à une négociation qui a été faite dans le finissement du mois de janvier. Le reportage avec Domine Duplessis pour détail. Yon dizaine groupe rebelle syrien voyait jeter appel à Moscou pour négocier avec Rebellio. Pays ici à client te proposé yo pour participer dans un sommet qu'a fait sot Chine en finissement mois janvier. Dans un communiqué yo jugé geste Moscou a pas crédible et puis dénoncé une tentative pour camper processus Genève là qui joint soutien Nations Unies. Toujours d'après yo, pays ici pas de jambe aider yo calmer souffrance peuple syrien. Parmi groupe qui signe communiqué ça, gagne rebelle qui t'est participé dans négociation l'ONU.